retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing de quelques toiles que j'ai reçues. Je ne suis pas sûre de qui ça provient. Je crois que j'en ai 4. J'ai une petite idée, mais je vais vous confirmer ça une fois qu'on ouvre le premier DP. Donc, c'est venu comme ça et j'ai là-dedans 4 DP. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça, ce sont des DP de plus petit budget parce que je veux montrer... des options aussi pour des DP un petit peu moins chers sur la chaîne. Là, j'essaie de montrer un peu de tout maintenant et beaucoup de DP à diamants spéciaux. Ça se pourrait que ça soit diamants spéciaux, ça. Donc, peut-être qu'on va commencer... Quoi que vous savez quoi. On va commencer par un de ceux-là. Comme ça, je vais pouvoir vous donner les détails. Parce que j'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc, je vais juste ouvrir ça et vous donner les informations de la boutique, des prix... alors, oui, c'est ce que je pensais. Alors, tous ces DP proviennent de GBFKE. Je pense que j'avais fait... Oui, j'avais fait un perso. Le petit renard, d'ailleurs, qui va être mon prochain DP télé. Une fois que je finis la DIY Moonshop. Donc, c'est ça, j'avais fait un perso en diamant rond. Là, j'ai décidé de tester leur DP qu'ils ont sur le site parce que j'ai trouvé plusieurs images qui font partie du domaine public. De différents artistes, donc je vais vous parler des artistes aussi, il y en a 3 je pense, et c'est ça, donc ouais, je leur avais dit, oui, il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer des produits, j'ai eu la possibilité de les choisir, donc merci beaucoup GBFKE de m'avoir envoyé tout ça, donc comment confirmer le 24 juin et reçu le 7 juillet il me semble, je mets les dates sur mes fiches, vous voyez j'ai imprimé mes fiches et... juste pour savoir. Parce que je fais les DP dans l'ordre dans lequel je les reçois pour les DP télé. Et ça, ça va être principalement des DP télé. Donc, c'est pour ça que je mets les dates. Et de toute manière, sur YouTube, je mets les DP dans... Ou je mets les unboxings dans l'ordre dans lequel je les reçois pour les partenariats. Donc, celui-là... Ok, c'est l'image de la fille avec le petit chien. Donc, je vais vous donner les informations à propos de l'artiste. Et malheureusement, quand j'ai imprimé mes fiches, j'avais pas beaucoup d'encre dans l'imprimante. Du coup, c'est pas très beau. Vous voyez, c'est cette image. Mais ça bavait de partout. Donc, c'est cette petite fille avec le petit chien. C'est une image de Fritz Zuber Buller. Qui est, vous voyez, comme je l'ai marqué, un peintre académique suisse. Et il est spécialisé... où il faisait des peintures à l'huile. Il est né en 1822 et mort en 1896. Donc ça, ça fait définitivement partie du domaine public. Il faudrait que je retrouve le nom de cette image. Donc voilà ce qu'on va regarder maintenant. Et la toile, elle est là. Ah, 40 par 50, cool. On va marquer la taille aussi sur ma fiche. Oh, elle est belle. Je pense qu'elle va être jolie une fois terminée celui-là. Ou celle-là. Donc, si vous marquez le peintre sur Internet, voilà comment ça s'écrit. Vous voyez, vous allez trouver ces images. Et ces images, comme je l'ai dit, elles font partie du domaine public. Donc, vous pouvez prendre cette image si vous voulez et la faire en perso aussi, en plus grande, si c'est trop petit pour vous, ça. Donc, on a un toolkit de base avec le stylet, le plateau et le morceau de cire. On a les diamants qui sont juste là. C'est une jolie palette de couleurs, ça. Des couleurs un peu plus sombres, mais je vois qu'on a un petit peu de rouge pour sa robe et ses lèvres, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Peut-être que ce que je vais faire, c'est prendre ma règle, déjà, et replacer la fiche pour voir si on peut l'aplatir un petit peu mieux. Donc, c'est de la colle coulée. Et ça colle très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, vous voyez, je tire un petit peu... la toile comme ça pour l'aplatir et je remets la fiche comme ça. Et ce DP, combien il était à la base? 10,20$. 10,20$ pour un 40 par 50, mais ça ne m'étonnerait pas que ça inclue les bords blancs. Donc, ouais, y a des images du domaine public hein, sur ces sites comme ça. Il faut juste fouiller. Faire les recherches.
j'ai pris un peu de temps pour faire ça, mais moi ça me dérange pas parce que je veux quand même m'assurer de vous montrer des images que je peux vous montrer sur YouTube. Donc voilà le DP, peut-être qu'il faudrait que je le roule dans le sens inverse, ça va aider ça aussi. C'est ça le problème avec ces petits DP, ils sont de temps en temps dans un état... Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Voilà. Avec la lumière au plafond, c'est pas évident. Comment je pourrais vous la montrer sans avoir de... Je vais éteindre la lumière, ça va être un peu plus sombre, mais ouais, vous la voyez mieux là. Oh, mais c'est joli. Je pense qu'elle va être super belle en fait, hein, dans cette taille-là. Là. Oh, mais oui, elle est très belle. On va prendre le mètre, on va mesurer pour que je vous donne les détails si jamais vous voulez l'acheter, que vous voulez la mettre en portfolio. Donc, elle fait 44,5 de longueur. C'est en centimètres. Et en largeur. Elle est à 34,5. Je vais garder le mètre à côté. 34,5. Donc c'est ça. Moi, je considère ça comme une image, comme un DP de petite taille. Donc voilà, j'ai marqué toutes les infos sur ma feuille. Donc le 40x50, je suppose que ça inclut les bords blancs. On a un numéro de modèle juste là, à 47,67. Qu'on retrouve juste ici, vous voyez, à 47,67. Mais moi, c'est probable que je marque sur un morceau de papier GBFKE et le nom de l'artiste. Et que je le mette là pour que je le retrouve plus facilement. On a au total 24 couleurs. Donc, vous voyez, on a une légende ici et on a une légende ici aussi. Ah, les morceaux de plastique. Là. Et la légende, elle contient, vous voyez, le nombre de couleurs, les symboles et le code DMC. Donc, tout est bien lisible. On a des lettres. On n'a que des lettres, j'ai l'impression. Ouais, que des lettres qui se lient très bien. Ou qui se lisent très bien. Et sur la toile, peut-être qu'il faudrait que je mette... que j'allume la lumière au plafond, en fait. Je vais allumer et éteindre. Alors, on va regarder les symboles. Donc, ce que j'aime là, c'est qu'on n'a pas de cercle autour des symboles. Le A est quand même un petit peu flou. Hein. Bon, j'arrive à le lire. J'ai l'impression que c'est pire à la caméra. Là, ça se lit mieux. Vous voyez les symboles foncés sur des fonds pâles. Là, c'est le W. À l'œil nu, je le vois très bien. Le H est flou. Vous voyez le H en plein milieu. Ça, c'est un petit peu flou. Le chien. Le H est encore flou là. Je préfère vous le dire si jamais ça vous intéresse. Et là, je vois que le S est un petit peu flou. Mais il est lisible. Donc, et là, regardez, c'est du confetti là. Ah ouais, d'ailleurs, alors... ben déjà, je vais tester la colle. Je crois... Où est-ce que je l'ai testé? Ça colle très bien. Et au niveau du confetti et des blocs dans cette toile, si ça vous intéresse de l'acheter, on a pas mal de confetti là. Pas mal de confetti là. Quelques-uns de blocs. Il y a encore beaucoup de confetti. Des zones avec des lignes là et là. Dans le chien et dans la petite fille, on a pas mal de confetti. Mais ces bras, ce sont des blocs. Les poils du chien, c'est du confetti. Et sa robe, ici, c'est des blocs. C'est un mélange. Cette toile, c'est un bon mélange entre blocs et confetti. Voilà. Elle est très mignonne. Je l'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, on va s'assurer qu'on les a toutes. Ils les ont mises dans... Ah non, ils les ont pas mises dans l'ordre. Ils les ont pas mises dans l'ordre. Ben regardez, c'est pas grave, on va les remettre dans l'ordre. Donc, on a 24 couleurs au total. Je vais les marquer sur ma feuille aussi. 24. Et c'est ça. On va s'assurer que j'ai tout ce qu'il faut. Déjà, j'essaie de trouver le 1. Et en même temps, ben c'est ça. On va regarder la palette de couleurs. Ça, c'est le 7. Le 6. C'est ça que je vous dis. C'est tout... c'est tout mélangé. Voilà. Alors, là, j'ai le 1. 2, 3, 4, le 5, je l'ai vu. Là,
5, 6, 7, 9. Ouais, le 8, il est là. Parce que c'est ça, s'il manque quelque chose, je préfère le leur dire assez rapidement. Il va manquer le 10. Là, je peux mettre le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, voilà le 10. Je le mets dans les trous. 19. Le 15, il va là. 21. Non, là, il y a le 20. 21, 22, 23 et 24. Donc oui, j'ai bien toutes mes couleurs. Donc voilà la palette. On a pas mal de couleurs foncées quand même, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de gris et de noir. On a de jolis bleus. Ça, c'est très beau, ça. Le 3765, c'est un bleu très joli. Alors avec ces compagnies-là, généralement, les diamants sont en acrylique. Mais je veux dire, moi, ça ne me dérange pas tant qu'ils sont de bonne qualité, les diamants. Les sacs sont assez épais. J'ouvre pour enlever la... Ouais, pour laisser de l'air rentrer un petit peu. Voilà. Les endos sont pleins en général dans ce sac. Il y a des petits diamants. Il y a des diamants qui ont des côtés un peu rugueux, là, comme celui-là. Mais en général, ça a l'air d'aller là. Je ne vois pas de problème majeur. De temps en temps, dans certaines couleurs, ce qu'on peut avoir avec les diamants en acrylique, c'est des diamants comme tout petits qui se baladent. Moi, j'appelle ça de la poussière d'acrylique, mais là, j'en vois pas. On a du vert, on a cette jolie couleur qui va dans sa robe. On a des couleurs peau, comme ça et ça. Donc ça, je suis contente de voir ça. On a même un jaune pâle, pardon, et on a des beiges. Donc ouais, palette de couleurs assez sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Mais d'après ce que j'ai vu, la conversion est très jolie pour une petite taille. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Donc ce que je fais, c'est que je reprends les diamants dans l'ordre. Vous voyez, comme ça, je le montre assez souvent, c'est en vidéo. Dans l'ordre DMC et je le remets dans le packaging original comme ça. Et du coup, ben, quand je ferai l'organisation des diamants de cette toile, mais là j'ai beaucoup de DPT à la maison, donc je pense que ça va aller à l'année prochaine ça. Mais au moins c'est bien, j'ai plein de DPT pour les années à venir. J'ai du stock qui est bien. Voilà. Donc je les remets dans l'ordre comme ça. Juste pour vous montrer. Puis je pense que pour les autres DP, je ne ferai pas la même chose. Et vous voyez, du coup, on a les diamants qui sont tout comme ça. Mais vous savez quoi, c'est le numéro de modèle. Donc peut-être que je ne vais pas mettre le morceau de papier dedans. Voilà. Je ferme comme ça et ça, ça va aller dans un bac. Donc ça, c'était la première toile. La revoilà. Toile très jolie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la conversion. Généralement, les conversions avec ces compagnies là pour les petits DP, c'est pas mal beau pour des images simples. Voilà. Ensuite, deuxième toile, on va regarder celle-là et je vais vous donner les informations à propos de l'artiste. Alors, je regarde la petite image. Ah, elle est belle celle-là aussi. Alors ça, l'image, mon Dieu, je l'ai imprimée, mais quelle horreur, hein. Encore une fois, avec l'encre qui bavait là et que j'avais pas assez. Voilà, qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est une image de Émile Vernon. Émile Vernon, c'est un peintre britannique qui est né en 1872 et mort en 1919. Et il a intitulé cette image « Les trois sœurs ». Mais en revanche, je pense que je n'ai pas trouvé quand est-ce qu'il l'a faite. Je vais essayer de faire d'autres recherches et de voir... quand est-ce qu'il a réalisé ses portraits en fait. Donc voilà qu'est-ce qu'on regarde. Donc du coup c'est en mode portrait. Elle est mignonne. Là il y a un poil, c'est un peu dégueu ça. Donc encore une fois un toolkit de base que je vais mettre de côté. Ça j'ai hâte de voir comment ça va être une fois avec les diamants dessus. Mais j'avoue qu'à la caméra, elle est très belle. À l'œil nu, c'est pixelisé. Les diamants, ils sont là. C'est une très belle palette de couleurs, ça. Donc, je vais la rouler dans le sens inverse. On va aussi la mesurer, celle-là, pour confirmer la taille. Mais moi, toutes ces toiles qui sont terminées, je vais pouvoir les mettre en portfolio.
les toiles qui sont plus petites qu'un 62 par ou un 42 par 60. J'ai un portfolio dans lequel je les mets. Voilà, et ce que je vais faire aussi, c'est replacer la film, le film plastique. Eh ben, j'arrive pas à parler. Donc ça aussi, ça sera un DP télé un peu plus tard. Et pour tous ces, pour tous les DP télé, je vais faire des vidéos d'organisation de diamants, de préparation de toiles, parce que je j'ai manière la fiche là. Je fais des, ouais, c'est ça, des vidéos de préparation de toiles et de préparation de diamants aussi. Je pense qu'en fait, c'est la fiche qui est peut-être un petit peu abîmée. C'est pour ça qu'on a des plis dedans. Mais c'est pas grave. Donc voilà, voilà encore une image. Ouais, je trouve qu'à la caméra, elle est très jolie. Très, 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 très belle. Magnifique. On a un numéro de modèle, encore une fois, A4769. On le retrouve aussi juste ici, vous voyez, en dessous du numéro DMC. 50 par 40, on va confirmer la taille et moi, je vais pouvoir l'écrire sur ma petite fiche. Alors, en hauteur, c'est du 34,5. Et en largeur, c'est du 43,5. On a un total de 24 couleurs. Je pense que c'est pareil que l'autre. Oui, c'est pareil que l'autre. 24, on avait le même nombre dans l'autre toile aussi. Col coulé. Ça colle très bien. Et comme pour l'autre, vous voyez, on a le nombre de couleurs, les symboles et le code DMC. Et encore une fois, je remarque que ce sont que des lettres qui sont bien imprimées sur la légende. Très bien imprimées même. Et sur la toile, là, c'est très beau. Je veux voir les couleurs plus foncées. Le W, on le lit très bien. Le D aussi. Le G est un peu flou, je trouve. À l'œil nu, ça va. Dans son visage, ça va. Là, il y a un petit peu de bleu, je vois. Ça, ça va aussi. On va regarder là-dedans. Là-dedans, c'est beau. Ouais, quelques symboles qui sont un peu flous, mais en général, je trouve que ça va. Ouais, comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de voir cette toile terminée avec les diamants dessus. Mais comme je le dis à la caméra, elle est plus jolie qu'à l'œil nu. L'œil nu, elle est un petit peu petite. Alors, les couleurs, on va encore une fois les regarder et on va les remettre dans l'ordre, comme on a fait pour l'autre. Moi, ça me permet aussi de m'assurer que j'ai bien tous les DMC. Donc, parce que si jamais il faut que je les contacte, ben, je veux le faire assez rapidement. Voilà la palette de couleurs pour ce DP. Donc, on a pas mal de couleurs pâles. Hein. On a beaucoup de... Ben, beaucoup, ouais. On a pas mal de rose pâle entre ça, ça et ça. On a du beige, du jaune, du quelques verts, des roses un peu plus pétants. Ça, c'est plus du rouge, ça. C'est le DMC 900. Ouais, le vert, comme j'ai dit, il y en a trois. Il y a plusieurs bleus. Donc, ouais, on a de jolies couleurs dans ce DP. Très belles. J'aime beaucoup ça. Ce sont des couleurs plus pastel, je dirais, comparé au premier. Premier, c'était plus foncé. Là, ce sont des couleurs plus pastel. Mais j'aime beaucoup ça. Donc, voilà. Je vais ranger tous les sacs, encore une fois, là-dedans. Mais je ne vais pas le faire en vidéo. Vous avez vu comment j'ai fait. Et juste en regardant comme ça, les diamants sont beaux. Je vois pas de poussière d'acrylique. Même, je trouve que les diamants sont très beaux, là. Vous voyez ? Les sacs sont bien propres, hein. Ouais. Voilà. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand c'est en sachet refermable, c'est super rapide à organiser les diamants en boîte. Donc voilà pour celle-là. Donc je range tout ça et on se retrouve avec la prochaine toile. Alors la prochaine, c'est aussi une image qui fait partie du domaine public. Avant de vous donner les détails, je vais vous montrer l'image. Je
juste m'assurer que... Oh! C'est pas ça que j'ai demandé. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé celle-là. J'ai demandé celle-là. À la base, c'est le nom de cette image, c'est la façon dont nous lavons nos vêtements. Elle est vraiment mignonne. Et c'est une image de George Dunlop Leslie, qui est, vous voyez, qui est né en 1835, mort en 1921. C'est un peintre et illustrateur britannique. Et l'image, il l'a créée en 1887. C'est une huile sur toile. Mais j'ai l'impression qu'il m'a envoyé quelque chose d'autre. Mais je pense, hein, et j'espère que ça fait partie du domaine public. Il va falloir que je fasse mes recherches. Mais ah, oh, mais c'est mignon ça aussi, hein. Ça m'étonnerait pas que ça soit une image de Émile Vernon aussi, le peintre britannique. C'est tout à fait le style de Émile, ça, avec ses petites filles et les chiens. Donc ouais, je pense que c'est une image du domaine public, mais il va falloir que je réimprime une nouvelle fiche du coup et que je trouve cette image sur leur site. Donc encore une fois, un toolkit de base. L'image, elle est vraiment, mais vraiment mignonne. J'avoue qu'à la caméra, c'est joli. Et là, on a 23 couleurs, alors que dans les autres, on en avait 24. 50 par 40, encore une fois. Ah, 759. J'ai le numéro de modèle juste là. Je veux juste vérifier que ça soit bien des numéros de modèle différents sur toutes les toiles. Alors, attendez, je regarde ça. Oui, ce sont des numéros de modèle différents. Ok, donc ça, c'est bien. Comme je vous ai dit, 23 couleurs. Encore une fois, là, on a plein de lettres. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que du coup, je peux l'écrire manuellement sur mes petites étiquettes, sur les boîtes. Ah, je ne vous ai pas parlé du confetti et des blocs dans l'autre. Attendez, je vais la reprendre vite fait pour vous en parler. Là-dedans, là, dans cette toile, j'avoue que l'arrière-plan, le vert, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de confetti. Les cheveux de cette petite fille-là, il y a plus de blocs, mais dans ces deux-là, c'est plus du confetti. Là, il y a plus de confetti et quoi qu'il y a, il y a du confetti de partout. Il y a un bloc de Y là, mais c'est principalement du confetti. Et alors, dans cette image-là, qui est très similaire à celle qu'on vient de voir du coup, je remarque qu'il y a quelques blocs de Z là, en arrière-plan. Mais sinon, il y a beaucoup de confetti aussi dans cette toile. Oh oui. Le reste, c'est que du confetti. Dans les couleurs rouges, c'est comment? Couleur rouge, ça a l'air d'aller. Le vert aussi. Les couleurs-là sont belles. Ben, les symboles sont beaux, je devrais dire. Là aussi, le petit chien. Là aussi, c'est beau. Ouais, les symboles sont beaux sur cette toile. Les symboles sont très beaux sur cette toile. Et je l'aime beaucoup, cette image. C'est juste qu'il faudrait que je trouve le nom. Le nom de cette image. Je vais le faire après, après avoir filmé cette vidéo. Donc, les couleurs sont là. On peut les regarder aussi. Alors, les voilà. J'ai bien toutes les couleurs. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la palette de couleurs dans cette image. Oh! C'est magnifique. On a plein de petits roses, des beiges rosés là. Plus, c'est plus saumon ça. De jolis verts aussi. Très beau. Ça aussi, c'est plus pastel en termes de couleurs. Plusieurs violets aussi. Violet, ouais, plus couleur vin presque. Un petit peu de noir. Mais j'aime énormément cette palette de couleurs. C'est magnifique. C'est très beau. Et là aussi, j'ai pas vu de problème dans les sachets de diamants. Donc, tout a l'air bien. De toute manière, vous savez, hein, je vous donne les retours dans les vlogs souvent. Ou à la fin des vlogs, si jamais j'ai des problèmes avec l'EDP. Mais ouais, j'aime énormément cette palette de couleurs. C'est juste dommage qu'ils m'ont pas envoyé celle que je voulais. Ouais, il va y avoir les liens. Si j'arrive à retrouver le lien de ça, je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Sous la vidéo. Donc je range tout ça et on regarde le dernier. Je pense que le dernier c'est un DP à diamants spéciaux. Ok, alors le dernier est là. Et alors à la base on avait choisi un et je crois qu'il m'avait contacté pour me dire qu'il l'avait plus en stock. C'est un peu dégueu cette colle là. Et du coup ben il m'avait demandé de choisir un autre DP. Et... Ah!
Mais attendez, ça c'est le DP. Non, c'est pas un DP adjoint, en spéciaux. On a 4 DP pleins. Alors celui-là, c'est bien celui-là. Oui, celui-là, c'est bien celui-là. Moi, je sais parler. C'est bien cette image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est ça. Le nom, c'est la façon dont nous lavons nos vêtements. C'est une image de George Dunlop Lasley qu'il a créée en 1835. Non, il a créé quand ? Ça, il a créé en 1887. Il est né en 1835 et mort en 1921. Donc, c'est bien une image qui fait partie du domaine public. Peintre et illustrateur britannique. Et c'est de l'huile sur toile. Donc, voilà l'image originale. Et ah, je ne vous ai pas donné les prix à chaque fois, mais c'était... alors, je vous donne les prix. La petite fille avec son chien, celle-là, elle était 10,20 $. Celle-là, elle était aussi 10,20 $. Et celle qu'on va regarder, elle est à 6,12 $ parce qu'elle est plus petite. Donc, ça ne m'étonnerait pas que celle que je viens de vous montrer, elle était à 10,20 $ aussi. Donc, ouais, ce sont des toiles à plus petit budget. Ça, en revanche, ça risque d'être très pixelisé parce que c'est très petit. C'est intéressant, les diamants ils viennent en ribambelle là-dedans. On a encore un tourquette de base. Je vais mesurer la toile avec vous pour vous donner les dimensions exactes. Voilà, je la roule dans le sens inverse parce que bon, c'est de la colle coulée et elle est pas mal. Déjà ça, je pense que ça va aider. Voilà. Donc ouais, j'ai toute une série de petites épées d'images qui font partie du domaine public. Donc ça, c'est cool. J'aime ça. J'aime que ces compagnies-là proposent des images du domaine public parce que du coup, pour nous, en tant que youtubeurs, ben, on peut montrer ça sur les chaînes. Parce que le reste, ben, on ne peut pas. C'est une violation de droit d'auteur. Il n'y en a pas une tonne hein, d'images du domaine public. J'en ai pas trouvé... beaucoup, beaucoup. Il y en a quelques-unes. Voilà, elle est un petit peu plus plate. Alors, celle-là, on a aussi un numéro de modèle à 48-22 et on le retrouve là. Donc ça, c'est bien. 30 par 40, on va le mesurer comme ça. Je vais pouvoir marquer la dimension réelle sur ma fiche. C'est du 34,5 par du... 24,5. Et elle contient un total de 19 couleurs. Donc celle-là, elle a un petit peu moins de couleurs, mais ça c'est pas grave. De toute manière, c'est tout petit. Mais alors, le confetti là-dedans, oh my god. Ouais. Et encore une fois, comme pour les autres, vous voyez, ce sont que des lettres. Voilà. Et au niveau des. Ouf, le P est mal imprimé là. Ben, c'est pas que c'est mal imprimé, c'est que c'est flou. À l'œil nu, je le vois, mais même à l'œil nu, c'est flou. Là, le W, on le voit bien, vous voyez, mais ouais. Le P, le S aussi, il est un peu flou. Bon, maintenant, j'arrive à les lire. Le G, vous voyez, le G en plein milieu, c'est un peu flou aussi. Regardez, là, le petit... est-ce que c'est un saut, ça? Ouais, c'est du confetti, et là aussi, regardez le confetti qu'il y a. Il y a ça c'est une toile avec beaucoup de confettis. Il y a une section là de thé où il y a un bloc, mais alors le reste, comme vous voyez, là il y a une petite section avec du H et quelques sections avec le W, mais c'est principalement du confetti dans cette petite toile. Je pense qu'elle va être mignonne une fois terminée celle-là aussi. Comment je pourrais vous la montrer sans avoir les reflets? Comme ça peut-être. Elle est mimi cette image, mais ouais, à l'œil nu elle est... À l'œil nu, elle est quand même pixelisée. Ah voilà, comme ça peut-être. Ça enlève les reflets de la lumière. On va vérifier qu'on a bien les 19 couleurs. On va les regarder du coup une à une parce que ça, c'est en ribambelle. Je veux juste voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai bien toutes mes couleurs et comme vous voyez, ce sont des couleurs un peu plus ternes. Alors, je vais vous montrer la palette de couleurs comme ça, l'endo, comme ça vous la voyez mieux. Donc vous voyez, il y a des rose kaki, beige, marron, encore du beige certainement pour sa peau, encore du kaki un peu plus foncé, ça c'est plus couleur vin, marron, ça c'est presque terre cuite à l'œil nu. Vous le voyez plus sombre.
ça c'est, ben quoi que ça c'est plus terre cuite, ouais. Quelques marrons, encore du vert kaki, pas mal de vert kaki, ça c'est un vert plus normal, du beige, ben beige, ouais c'est plus rose ça, beige, beige et beige. Donc c'est ça que je vous dis, pas mal de vert kaki et de beige, mais en même temps, ben je veux dire, vous voyez l'image, hein, donc ouais, et ça aussi je le remets dans le packaging original, donc je le plie et je fais de telle sorte que eh ben, ça rentre au niveau de la longueur en fait. Donc voilà, on a fini avec le unboxing. Donc pour récapituler, il y avait celle-là. On a trois artistes différents du coup là, hein, je pense. Ça, je suis pas mal sûre que ça provient de Émile Vernon, comme je vous l'ai dit, ou Vernon, je devrais dire. Celle-là. Et celle-là. On a des super belles images. Comme je vous ai dit, j'aime qu'ils proposent des images comme ça du domaine public et qui s'apprêtent bien quand même à des petites tailles. C'est cool. C'est cool. J'aime beaucoup ça. Donc voilà. Je vous mettrai le lien de tous ces produits en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller les acheter. Je vais essayer de retrouver l'image celle-là. Ça, c'est l'affiche que j'avais pas. J'ai pas imprimé. Donc, je vais essayer de le retrouver sur le site. J'espère que je vais y arriver. Et c'est ça. Donc, tout sera en barre d'infos. Je ne sais pas s'il y a un code pour vous en barre d'infos. Regardez là. Je sais plus si GBFKE, ils m'ont donné un code pour vous, mais regardez dans la barre d'infos. Et s'il y en a un, ça sera listé là. Donc, voilà. Ben, dites-moi ce que vous pensez de ces 4 DP. Ça va être 4 DP télé que je vais faire certainement en 2023 parce que là, j'en ai quand même pas mal. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que du coup, j'ai une variété de différents DP et moi, je trouve ça super cool. Du coup, si jamais j'ai pas envie de travailler sur un DP, j'en ai un autre que je peux faire en DP télé à un moment donné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée et à bientôt. Bye bye!